Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une petite recette de biscuits à noix vraiment très simple et rapide à réaliser. Pour une vingtaine de biscuits, il vous faudra 2 œufs, 200 g de farine, 100 g de poudre de noix, 90 g de sucre, 130 g de beurre, ainsi que des cerneaux de noix pour décorer les biscuits. Pour commencer, passez le beurre quelques instants au micro-ondes afin qu'il ramollisse un peu. Attention, il ne doit pas être entièrement fondu. Placez le beurre ramolli dans un saladier. Ajoutez le sucre en poudre et fouettez afin d'obtenir un mélange crémeux. Ajoutez les 2 œufs. Et fouettez à nouveau pour que la pâte soit bien homogène. Il ne vous reste plus qu'à ajouter la poudre de noix ainsi que la farine. Mélangez bien jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Recouvrez le saladier d'un film alimentaire et placez au frais pendant une heure minimum. Sortez la pâte du réfrigérateur. À l'aide d'une cuillère à soupe, prélevez une petite portion de pâte. Roulez-la afin de former une boule, puis aplatissez-la légèrement. Disposez sur une plaque recouverte de papier de cuisson. Renouvelez l'opération avec le reste de pâte. Disposez un cerneau de noix sur chacun des biscuits en l'enfonçant légèrement. Et maintenant, direction le four pour nos petits biscuits. Comptez environ 15 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 160 degrés. Sortez les biscuits du four et laissez-les complètement refroidir avant de les déguster. Je trouve que ces biscuits sont vraiment parfaits pour la fin d'année. J'espère que cette petite recette vous plaira et surtout qu'elle vous permettra de vous régaler. Pour plus d'idées gourmandes, rejoignez-moi sur mon blog et ma page Instagram. À très vite!